Cette cérémonie d'inauguration, par cette messe célébrée par Mgr Bernard Follet, supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, cette cérémonie veut marquer la continuité entre ce monument qui nous accueille, la chapelle Notre-Dame de Consolation, et la liturgie que nous allons y célébrer et pour laquelle ce lieu a été construit. Mgr Follet va être le premier, peut-être depuis un demi-siècle, à célébrer la messe sur l'autel majeur, l'unique autel, évidemment. De même, c'est sans doute la première fois depuis un demi-siècle que va resservir cette grille de communion que nous avons replacée. L'association mémoriale du Bazar de la Charité nous a confié ce qui reste, après 110 ans de vie paroissiale, du patrimoine d'objets liturgiques de la chapelle. Le ciboire qu'utilisera Mgr Follet, réalisé en mémoire d'une victime, ainsi que l'encensoir et les canons d'autel, appartiennent à ce dépôt précieux. La chapelle Saint-Germain, qui est donc désormais accueillie ici, participe, elle aussi, à cette messe inaugurale. Les burettes, comme le bénitier d'aspersion, viennent d'elle. Quant au calice que Mgr Follet va utiliser, il symbolise l'union désormais intime entre la communauté paroissiale venue de Saint-Germain et la chapelle Notre-Dame de Consolation. Le magnifique calice provient du trésor de Notre-Dame de Consolation, mais, comme la patène a disparu par le malheur des temps, une patène a été acquise par Saint-Germain pour compléter harmonieusement ce calice.
Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
cette conjonction entre plusieurs éléments que nous trouvons ce jour. Tout d'abord, que nous puissions célébrer ici. Ensuite, la Sainte Messe de toujours. Et ensuite, en ce jour du premier dimanche de la Passion. Car il y a un lien intime entre les trois et de pouvoir retirer une grande leçon, une très très grande leçon en fait. Eh bien, chers frères, lorsque vous pénétrez dans ce sanctuaire, vous entrez dans un sanctuaire de mort. Ici même, là où vous êtes, sont décédés au début du mois de mai 1897 plus de 100 personnes en moins d'un quart d'heure. La mort a vraiment réclamé sa moisson. Ses épis étaient mûrs. Des gens qui étaient dédiés à des œuvres de charité. Il faisait œuvre de miséricorde. Et en plein dans cette œuvre, le bon Dieu a permis qu'il soit pris. Jeune, moins jeune, tout le monde a été pris, en moins de rien. Et si cet édifice a été bâti, c'est précisément pour se souvenir et bien sûr pour prier en mémoire de ces défunts. Quel contraste avec le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'il a été bâti, cet édifice, il a été bâti dans une époque où on avait encore une compréhension, une vision des choses, qui savait mettre la mort à sa place. Aujourd'hui, le monde moderne n'ose plus la regarder en face. On fait tout pour l'oublier. Évidemment, elle est effrayante. Elle est effrayante. L'Église a toujours considéré la mort comme la plus grande des douleurs. Ce déchirement où l'âme est séparée du corps, c'est la plus grande des douleurs qui puisse arriver à l'être humain. Et donc c'est normal qu'on en ait peur, c'est normal qu'on essaye de l'éviter, naturellement parlant. Mais l'Église nous apporte une vision sur cet événement qu'il ne nous faut pas perdre. L'Église, elle, ose la regarder, cette mort. Elle nous dit d'abord quelque chose, disons, de très désagréable, mais de fort juste. Elle nous rappelle que la mort est une punition. Une punition à cause du péché. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. C'était le grave avertissement du bon Dieu envers ses créatures. C'était l'épreuve du paradis terrestre. Jusqu'à cet instant du péché, les hommes ne savaient pas ce que c'était, ni la mort, ni la souffrance. Difficile à l'imaginer. Car depuis, eh bien, la souffrance, grande, petite, nous la rencontrons un peu partout. Et la mort, eh bien, nous le savons tous, il n'y a pas moyen d'y échapper. Il y a là quelque chose d'universel. Tous nous savons qu'un jour, nous nous retrouverons devant cet instant.
d'instant où l'Église nous fait dire de cette mort imprévue, subite, libérez-nous. Quand on voit aujourd'hui comme l'homme moderne se réjouit de cette mort qui fauche par surprise, l'Église dit tout le contraire. Car l'Église sait ce que c'est que cette mort. Elle sait qu'il faut la préparer. Et qu'en fait, toute la vie est une préparation à cet instant. La mort, ça n'est pas la fin. Ça n'est pas la fin de tout. C'est un regard beaucoup trop humain que celui qui voit dans la mort la fin de toute chose. C'est évidemment la fin de notre vie sur terre. Mais c'est le passage obligé dans l'éternité. Et l'éternité, c'est notre destin, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il nous a créés pour le ciel. Et oui, le péché, le premier péché de nos premiers parents, nous le recevons comme un héritage. Et désormais, pour arriver jusqu'au ciel, il faut passer par là. Bien que cette perspective change déjà tout. Et nous, qui avons cette grâce de la foi, il ne faut au grand jamais perdre cette perspective. Cela n'enlève pas la souffrance, ni de celui qui meurt, ni de ceux que le défunt laisse. Oh non, elle est bien là. Ces souffrances, comme je l'ai dit, de même que la mort, sont une pénitence. Là aussi, faisons attention à ne pas être trop, j'allais dire, mathématique, ne pas dire telle souffrance, tel péché. La manière du bon Dieu de faire participer à la souffrance est toute différente de celle des hommes. Il y a la communion des saints. Il y a cette invitation, ce sera notre point suivant, à participer à la mort de notre Seigneur, à ses souffrances, qui là aussi changent tout. Ce devrait être notre regard, mes bien chers frères. Prenons garde à ces idées d'un monde qui est sans foi et qui essaie de s'imposer partout. Que ce soit sur la douleur, que ce soit sur la mort, nous avons une toute autre vision, nous qui avons la foi. Voyez-vous, mes bien chers frères, en fait, quand vous rentrez dans ce bâtiment, dans cette église, vous pensez presque normalement, à cause de son but, à cause de tout ce qu'il rappelle, vous pensez à ces défunts. Vous pensez à la mort. Mais l'Église, elle va nous dire qu'en fait, toutes les fois que nous rentrons dans une Église, nous entrons dans la mort. Je vais m'expliquer. Saint Paul, en parlant du baptême, nous dit que avec le baptême, nous sommes morts. Le baptême nous fait mourir. Mourir avec le Christ. Nous nous retrouvons sur la croix dès le baptême. Le baptême nous fait mourir, ensevelir avec notre Seigneur pour ressusciter avec lui. Ça ne s'arrête pas à la mort, ça continue sur la résurrection. Mais il y a une mort. Et cette mort, comme nous l'avons dit, c'est la mort de notre Seigneur. Et la plupart du temps, lorsque vous venez à l'église, c'est pour assister à la Sainte Messe, au Saint Sacrifice.
qui n'est rien d'autre, allons plus loin, qui est identiquement le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, sacrifice qui est non seulement accompagné, mais qui est formellement une somme de souffrance indescriptible et sa mort. À chaque messe, eh bien, chers frères, vous venez assister à une mort. Et pas n'importe laquelle, la mort d'un Dieu. C'est tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. J'entre dans la vie. Et l'Église nous aide aussi en nous disant que nous pouvons, maintenant déjà, gagner une indulgence plénière pour le moment de notre mort. Si, dès aujourd'hui, nous offrons au bon Dieu, nous acceptons toutes les circonstances qu'il aura plu à la divine providence de déterminer pour notre mort. À ce moment très précieux, ce dernier instant de la vie, nous pouvons gagner une indulgence plénière, c'est-à-dire une indulgence qui efface toute cette somme de satisfaction qu'il nous faudrait encore apporter, de réparation pour nos fautes. Eh bien, en cet instant-là, tout peut être effacé par cette simple acceptation des dispositions du bon Dieu sur ce dernier instant de notre vie sur la terre. Comme il est important de le faire, bien sûr, c'est difficile si on commence à trop imaginer. Dieu sait comment le bon Dieu nous appellera. Dieu sait comment nous allons mourir. C'est plus facile de faire un chèque en blanc, de dire, mon Dieu, comme vous voulez, vous êtes sage, vous savez tout, vous m'aimez, vous voulez mon salut, j'accepte, comme vous voulez, comme il vous plaît, sans vouloir poser aucune condition. C'est effectivement un très bel acte, et voyez-vous, quelle récompense. Dès maintenant, vous pouvez le faire, ne le retirez plus, effectivement, ne le rétractez pas. Ça vous donne cette garantie de cette bénédiction du dernier instant qui, bien sûr, non seulement abrège, raccourcit, mais supprime le purgatoire. Celui qui reçoit vraiment cette indulgence plénière va droit au ciel. N'oublions pas ces trésors que la Sainte Église nous donne. L'Église, elle sait, elle connaît la vie humaine, elle connaît ses misères. Elle est là pour un seul but, c'est de sauver les âmes, c'est de les conduire au bon Dieu. Et c'est le but de cet édifice aussi. Bien sûr, on se souvient des défunts,
mes chers frères, le sens de la mort, nous le trouvons sur la croix. Il n'y a que l'Église catholique, dans ce sacrifice de la messe, qui est capable de nous faire comprendre le vrai sens de la mort et de nous faire nous permettre de le supporter comme il faut, pas seulement supporter, mais même embrasser. Notre Seigneur, qui meurt sur la croix, qui par là célèbre ce sacrifice rédempteur, nous demande, nous invite à nous associer à lui. Il n'y a pas simplement un regard, le mot égoïste est trop fort, mais un regard qui, disons, se contenterait de regarder mon bien, mon salut. Notre Seigneur nous demande plus. Lui qui est mort pour tous, nous demande de nous associer à lui pour notre prochain. Et sans autre limite que la sienne. Il n'y a pas de limite dans ce sacrifice de notre Seigneur. Il est mort pour tous. Pour tous. Vraiment tous les hommes. Il n'y a pas un seul péché qui n'ait été réparé par notre Seigneur sur la croix. Et vous qui assistez à la messe, dites-vous bien qu'il n'y a pas un seul des péchés de votre vie, du monde entier, qui ne soit réparé à l'autel. C'est un trésor qui nous déplace, qui nous dépasse complètement, totalement. Nous touchons à l'infini. Quand nous voyons ce monde, quand nous voyons cette marée de mal, de méchanceté, qui vraiment fait peur, qui horrifie, eh bien dites-vous que dans une seule messe, il y a plus de bonté, il y a plus de miséricorde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, eh bien, là, à l'endroit où cela est vrai, c'est la messe. Vous êtes dans un lieu d'une sainteté inouïe. Inouïe. Il y a suffisamment de sainteté dans une messe pour sauver le monde entier. Appelez ces grâces sur vous-même. Si vous l'oubliez, le prêtre le fait pour vous. Mais plus vous ouvrez votre âme, plus vous associez à ce sacrifice de notre Seigneur, plus vous en recevez. C'est Pie XII qui nous le dit. La meilleure manière d'assister à la Sainte Messe, c'est d'y aller en embrassant les intentions de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il montait au calvaire. On monte vraiment à la mort. À la mort de notre Seigneur, qu'il faut faire notre. Notre vie, nous le savons bien, si nous voulons la gagner, nous gagnons la vie éternelle, eh bien, il faudra mourir. Il faudra mourir à des petites choses et à des grandes. Il faudra savoir se renoncer, renoncer à ceci, à cela, des choses légitimes, faire ce qu'on appelle des sacrifices. C'est la vie chrétienne. Et la Sainte Messe catholique, nous le rappelle un peu sur tous les tons, dans les prières, dans la messe elle-même, dans son rite. Eh bien, remercions le bon Dieu pour toutes ses grâces. Demandons que ce temps de la Passion nous permette vraiment de nous rapprocher davantage du bon Dieu, de sa sainteté, que nous en recevions davantage de foi, d'espérance, de charité. Le monde, nous le savons bien, il n'est pas beau. Partout, on parle de crise. Que va nous donner le nouveau pape François? Nous avouons que ce n'est pas sans inquiétude que nous voyons arriver. Un nouveau pape qui, au moment de prendre ses habits,
pontifico, l'habit de pape, lorsqu'il doit s'habiller, dit à son cérémoniaire, maintenant le carnaval c'est fini. Qu'est-ce que ça va nous donner? Nous ne savons pas. Il est tellement hors norme que je crois que nous serons stupéfaits, peut-être des deux côtés, c'est-à-dire en bien aussi. Mais en bien, prions pour cela, prions pour lui. La charge de toute l'Église, ça n'est pas rien. Mais mettons-nous bien dans cette foi catholique. Il ne faut absolument pas lâcher. C'est la porte du ciel. Dans ses vertus d'espérance, de charité, qui unissent au bon Dieu, dès ici-bas. Le ciel se commence ici-bas, dans une union au bon Dieu, à laquelle vous êtes tous invités, dès maintenant. L'Église est formelle. Ce qui unit les âmes à Dieu au ciel, c'est la grâce et c'est la charité. Eh bien, cette charité est la même. La charité qui unit les âmes au bon Dieu au ciel, c'est la même que celle que nous recevons de lui, déjà ici-bas. Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons aux saints, demandons à tous ces défunts que nous commémorons ici et qui sont au ciel, de nous obtenir ces grâces, afin que nous passions, si je puis dire ainsi, plus facilement ce qu'il nous reste à vivre sur la terre, et que nous retrouvions tous au ciel, ainsi soit-il. Père, Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.
this to be with his peace. It means he's begun to his peace that will cause that he doesn't die. Gloria a Dios.
Chers amis, après cette magnifique cérémonie, dans cette chapelle où souffle l'Esprit, vous êtes attendus pour le pot de l'amitié. Vous êtes attendus donc à la crypte Sainte-Germaine qui se trouve en dessous. Pour le rejoindre, puisque vous êtes très nombreux, les uns passeront par la porte centrale, descendront par les escaliers et rentreront par la porte du bas. Les autres passeront par la porte qui se trouve sur la gauche, du côté épître, au fond, descendront l'escalier et pourront rejoindre également la crypte. Et enfin, les personnes qui sont dans le chemin de croix iront au fond du chemin de croix à gauche. Il y a une porte qui permet également de descendre. Donc je pense que ça prendra 10 bonnes minutes pour sortir, donc comme un jour de grève de métro. Donc soyez patients. Thank you.
Il va sans dire que nous conservons le plus entier silence tant que nous n'avons pas franchi les portes de cette église. Je ne vais pas trop geler.